Bonjour à tous, bienvenue dans cette ambiance électrique. Électrique, c'est une première surprise, Rémi, parce que ce match, on le sait, est amical, un match sans enjeu qui va permettre sans doute aujourd'hui aux deux entraîneurs de faire une large revue d'effectifs. Oui, c'est vrai, des effectifs importants avec des joueurs qui ont peut-être peu joué ces derniers temps, donc ce sera l'occasion en cours de match sans doute peut-être de voir de nouvelles têtes ou bien des joueurs qu'on avait oubliés. Les confrontations amicales sont très intéressantes dans ce cadre-là pour les entraîneurs. En tout cas, on le disait, l'ambiance est absolument magnifique. Plus un siège de libre dans ce grand stade. L'ambiance est parfaite, la pelouse aussi. L'arbitre et ses assistants sont prêts. C'est parti! L'arbitre siffle le coup d'envoi, c'est parti pour 90 minutes de jeu. Et a priori, vu le talent sur le terrain, on devrait se régaler aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, sans doute un match de très haut niveau, Grégoire, ces deux formations qui ces dernières semaines nous ont déjà régalé et on peut se dire que les joueurs vont jouer vraiment l'esprit libre. Oh, c'est osé! Oui, ballon capté facilement par les gardiens. But, ouverture du score! Un but comme on aimerait en voir plus souvent. Et beaucoup d'enthousiasme dans les tribunes, comme vous pouvez le constater. Sur ce genre de frappe, on ne peut pas vraiment vouloir au gardien. Très bon ballon sur le côté. Ils auront droit à un corner. Oh, il y a gros danger. Oh, je l'ai vu dedans. Ah, c'est pas brillant. Sont pris de vitesse par cet homme. Et il frappe. Et ça fait but. Là, il ne relâche pas la pression. Et c'est un doublé pour lui. Et Rémi, on regarde ces tribunes et on imagine les supporters qui ont fait le déplacement, qui ont couvert énormément de kilomètres pour venir supporter leur équipe. Dans votre carrière, vous vous souvenez des supporters de votre club qui avaient fait une... Deux buts à rien, il domine le débat. Oui, il s'est bien battu. Il cherche à se défaire du marquage. Belle intervention du gardien qui sort ce ballon. Oui, c'est bien fait ça. Il frappe. Bien joué de la part du défenseur. Oh, il y a gros danger. Et il frappe! Ça passe largement à côté du but. Il ne s'est pas assez appliqué, Grégoire. On approche de la demi-heure de jeu. Va-t-il tirer? Wow! Superbe détente, il repousse du point. Bien joué! En parade du gardien qui détourne en corner. Dedans peut-être. Faute indiscutable, aucune retenue dans ce geste. L'arbitre aurait pu lui donner un avertissement. La cata. Il conserve la balle. Ono. Et oui, il n'a pas abdiqué. Bon ballon dans l'axe. Bon centre. C'est une occasion de but.
Coup de sifflet de l'arbitre. Il est en position. Bon, c'était un arrêt crucial. Une attaque bien stoppée par le gardien. Ono. Il récupère le ballon dans une excellente position. Heureusement, intervention du défenseur. Pas très précis tout ça. Il y a beaucoup à jouer. Oh, il y a quelque chose à faire. Et le ballon est récupéré, c'est dangereux. Attention, il tire. Joli réflexe, heureusement qu'il a le bras long. Ça peut faire but. Va-t-il centrer? Voilà, fin des 45 premières minutes et score de 2-0. Faute, l'arbitre a sifflé. Et voilà, l'arbitre sort le carton jaune sans hésitation. On doit faire attention à ne plus commettre de faute maintenant. Bon, c'est laid, Rémi, en plus, ça aurait pu être dangereux. Il va frapper. Ah, le ballon lui revient. Il cherche à se défaire du marquage. Il l'a. Oui, la belle frappe, elle était cadrée. Mais heureusement, le gardien fait bonne garde. Mais sa frappe qui a manqué légèrement de puissance. Il peut marquer. Oh, c'est pas fini. Et ce ballon qui va finir sa course au fond des filets. Et ils font à nouveau évoluer le score. Le discours de l'entraîneur à la pause n'aura pas tardé à porter ses fruits. Et oui, tant que le ballon n'est pas sorti, l'action n'est pas finie, la preuve. Nous pouvons... 3-0, ça commence à se gâter sérieusement pour les adversaires. Oui, bien récupéré. Il cherche un peu d'espace. Oh, quelle occasion. Il y est, but. Et ça fait deux buts coup sur coup. Quel talent. Ils peuvent laisser éclater leur joie. Oh, le régal absolu. Peut-être non, l'arbitre signale une faute. Et cette fois-ci, l'arbitre ne va pas hésiter, le carton jaune pour cette faute un petit peu inutile. Un carton jaune logique. On approche de la dernière demi-heure de jeu. Va-t-il marquer? Et ça fait but. Et ils inscrivent un autre but. Il s'offre un magnifique coup du chapeau. Il a grillé la politesse au défenseur. Franc, absolument, il n'avait même pas le ballon. C'est un régal ce genre de contrôle. Allez, on relance la machine.
Ils se sont tous regroupés en défense. Il y a le feu en ce moment. Attention! C'est un arrêt exceptionnel. Et le gardien va devoir être très attentif sur ce corner. Oh, c'est osé! Sans inquiétude pour le gardien. Il renverse le jeu. Va-t-il marquer? Et c'est au fond du filet! Ça commence à faire beaucoup. Vivement le coup de sifflet final. C'est vraiment un but marqué en toute fin de match. Un but comme on aimerait en voir plus souvent. C'est un geste d'école. Tout est dans la précision. Très belle rencontre que celle à laquelle nous venons d'assister, Grégoire. Revoyons les moments forts. Au revoir et merci à tous d'avoir suivi ce match avec nous.